Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus de temps pour le coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire la partie 2 du défi les gars. Donc le défi double élixir où il y a une fourrure à gagner. Les gars, on va prendre ce deck GR. Ce deck GR qui est très fort que le monsieur a présenté, qui j'aime beaucoup ce deck. Avant que la vidéo commence les gars, on s'abonne, on lâche le pouce bleu, on rejoint mon Discord dans la description. Et puis voilà, simplement. Ok, alors, artificiaire qu'on va dire en boule de feu. Et oula. Monsieur est agressif. Très bien. Là si je peux gérer devant, ça serait magnifique. Voilà. Hop, salut. Ok, les archers, on attend un petit peu. Très bien, là on a une très très bonne boule de feu. Hein. La boule de feu qui va être insane. Parfait. Voilà la petite coup de MG. Le GR qui se met bien. On va aller détruire ce chevalier directement avec le bûcheron. Hop, parfait. Là, on va aller mettre le bébé dragon. Nous avons le fût des barbaros. Tac, nickel. Pour aller détruire ça. La défense va, je pense, suffire. On va aller mettre une petite fournaise pour aller tanker ce cochon. La sangle fournaise reste en vie. Nickel. La fournaise qui reste pas en vie. Du coup, c'est pas nickel. Ok, là, on a lecture du roi. Petit bûcheron pour aller détruire cette fourreuse. Le GR au mid avec une MG. L'esprit électrique évidemment. Le fût à barbare pour aller détruire ses archers. La rage du bûcheron qui va peut-être nous permettre de déclencher quelque chose. Non, très. C'est pas grave. Remettons un salon, mettons une fournaise. De quoi tout ce motif là? On va lui laisser ma tour. On va laisser ma tour là. Ça va suffire. Très bien. Il met tout au pont. Oula. Ah ça y est là. Le mec en a plus rien à foutre de Himalaya. Il y a le GR qui est en mode rage là. Le GR qui est en mode rage. Quand il veut, il meurt les troupes. Hein. Vraiment, c'est. Quand ils veulent. Hein. Ok, on va aller mettre une fournaise pour détruire cette artificière. Ok, là je pense que ça va être un speedrun. Donc pour un speedrun, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout mettre au pont. C'est pas plus compliqué. Excusez-moi. Et c'est une victoire. Première game de réussite avec le deck géant royal. Voilà. Ça nous fait des corail aussi, hein. Oublié. Ok, des pièces, ça nous fait plaisir. Allez. Ok, on repart. Sur une autre game, on met une petite fournaise pour commencer. Ok, il joue pas. Non. Ok, ça y est, il décide de jouer. On va mettre un GR fond de map tranquillement. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça peut être? Encore, j'ai pas encore une idée de ce que ça peut être. Petit LG dans le fond du terrain. Petit bébé dragon. Là, on va évidemment aller mettre le bûcheron sur le devant. Très bien. Le fût à barbare. On va aller mettre évidemment l'esprit électrique pour aller cancel ce DDE qui va être relou. Ce DDE qui va être évidemment géré. Hein. Le fût à barbare qui va être géré. Nickel, le bûcheron qui va être géré, on peut directement remettre un GR. On va aller mettre un bûcheron évidemment derrière. On va mettre une petite pression, le GR qui met un coup, ça c'est plutôt cool. Le bûcheron qui... Nickel, détruit ce que je voulais, là on peut aller mettre une très bonne boule de feu. Sur... Voilà, nickel, il met un gel. Je sais pas pourquoi il met un gel, mais il met un gel. Ok, parfait, le MG qui va se faire défoncer. Ok, là c'est la sauce. Je rigole évidemment puisque j'ai une boule de feu. La boule de feu qui va carrière, hein, je pense, cette game. Ok, parfait. On a fait une très très bonne défense pour l'instant. On va les mettre des gargouilles. On va les mettre un esprit électrique pour aller essayer de gratter sur la touche. Je crois que j'ai mis trop de temps. Trop tard.
Ok, c'est pas grave, on va y mettre un bébé dragon. On va aller mettre un GR, hein. Il a mis son D2 fond de map, on peut aller évidemment pré-shot avec ce fuel barbare qui va aller tanker pour le GR. Là on va dire, attends, les boules de feu, tout ça. La boule de feu très value ici. Ok, petite fournaise. On a le AMG, hein. S'il met un ballon, ça ne pose pas de problème. On a bûcheron pour aller protéger, pour aller, ouais, nickel. Détruire ce bûcheron évidemment. L'AMG avec l'esprit électrique, le bâtiment qui va aller kite ce ballon. Ce ballon qui n'a malheureusement pas été connecté. Et attends, du rocket activé à cause de l'artificiel. L'artificiel, je pense que c'est une des pires cartes qu'on joue au ballon. Vraiment, c'est pire truc ever. Là, on peut directement les boules de feu, tout ça. La boule de feu qui va pas être, qui va être assez value quand même, ça va. Là, on va mettre un bon fût, un bon bûcheron. Oula, non. Non. Non, à cause du... Oh non, du 10% de batterie, je vais perdre. Ah, je vais perdre une tour. Ah, oh, c'était honteux, vas-y. Pète un câble. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il est totalement fou. Ok, la boule de feu directement placée ici pour détruire ce DDE. Là, c'est la sauce. Là, c'est la sauce. Ouais, parce que là, il va juste gel comme un débile. Oh, il a son gel qui est bouffon. Mais j'ai vu le D2. Oh, j'ai pas vu le D2. Je vous jure, je l'avais pas vu. Après, en vrai, c'est pas, c'est un match compliqué parce que le D2, j'ai rien pour le reset. Genre, vraiment, j'ai rien pour le reset. C'est pas grave, on va essayer d'arrêter de faire les défaites, ce serait quand même plutôt cool. Alors je branche mon état parce que là il a plus de batterie. Alors. GR fond de map. Ok, très bien, on a une petite MG. Ok, on va aller mettre un petit fût, un petit esprit. Ok, ouais, clairement il y a juste boule de feu en fait, là c'est une boule de feu, c'est super value. On est un bûcheron, on est un bébé dragon, et là je pense que c'est une tour pour nous. Bon, maintenant il peut tout défendre. Ok, très bien, on a envie de marcher un peu, c'est bon. Ok, on va mettre un GR fond de map, on va juste baisser un peu la musique, c'est avec... Et là on va les mettre, nickel, le bûcheron qui va les tanker pour le GR. Et là, regardez. Ah oui frérot, il y a un deuxième à gérer maintenant. Le bûcheron qui a fait une masterclass. Et là oui, là oui, ça va faire mal. Monsieur ne s'y attendait pas au spam. Le bûcheron qui va faire mal encore une fois. On va prendre les deux tours, on va pouvoir mettre un deuxième GR. On va aller prendre ce 3 couronnes face à Benzard de Panda Futur. Ah oui, double GR, hein. Double GR, c'est compliqué à défendre, j'avoue. Enfin, la double GR là. Ouf, double gros port royal. Ok, bon. Quel petit jeton, ça fait plaisir. On dit pas non, petit jeton. Même si j'ai à peu près, même si j'ai tout mon compte max, c'est pas très grave. Oh, mais sérieux, niveau 8. Ah oui. Ah oui, niveau 8, c'est... Le spam, hein. Le spam. C'est pas grave, hein. Pas de soucis, on va laisser... Le cochon, ça me dérange pas qu'il gratte un petit peu, tu vois, parce que là je vais juste mettre un gros push, il va jamais défendre là, je sais rien qu'il va jamais défendre. Il a clairement pas le niveau pour défendre un push comme ça, ouais. Allez, donc qui a fait une masterclass, hein. Chasseur qui fait une masterclass aussi, le chasseur. Oh, les boules de feu, oh, on a bien défendu en vrai, ce con. Ok. Voilà, être bûcheron cette fois-ci pour aller défoncer ce cochon. Et là, je peux limite aller GR derrière, oh oui. Là, on va juste déjà essayer de tanker un coup en moins. Je l'ai mis trop tard. Ouais, je l'ai mis trop tard, putain, chier. Merde, j'ai raté ma boule de feu, putain, je suis un bouffon. Oh bah.
Des tours qui sont à 1418 HP. Ok. Bon, concentrons-nous un petit peu, parce que perdre face au niveau 8, c'est pas fou. Il y a un deck super relou. Hein. Le mec, c'est mini PK au pont, genre il casse les couilles. Hein. Bouffon, bah tiens. Nice. La petite bout de chasse qui fait plaisir. Hein. Là, oui, oui, oui. Là, on va être tout sûr, on prend cette tour. On va aller finir la boule de feu, hein, évidemment. Hop, voilà, nickel. On va réinstaller une, avec une petite fournaise. Voilà, parfait. Là, on se met bien. Oh oui, ça, c'est cool. Là, il nous laisse, en fait, là, il nous laisse accumuler les trous. Donc ça, c'est plutôt bueno. Là, on peut évidemment faire ça avec un pré-shot. Voilà, nickel. De l'armée squelette, évidemment. Et là, on peut tout simplement tout mettre au pont. Tel un bon joueur. Le bûcheron qui va détruire ce canon. Le dragon qui va, avec les dégâts splash, toucher cette tour. Très bien. On peut finir un boule de feu, mais je pense que je vais pas le faire. Ça sera un peu inutile de gâcher une boule de feu pour ça. Je vais mettre ce bûcheron pour détruire cette princesse. Ok, nickel. Ok, mais il y a un squelette pour ça. Pourquoi pas. Why not. Ok, là le... C'est une victoire, encore une fois, assez facile, hein, niveau 8. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, niveau 8. Juste au début, il m'a quand même mis la pression, j'avais pas eu un bon cycle. Bon, maintenant ça va mieux. J'ai un meilleur cycle, donc c'est tranquille. Très bien, nickel, parfait. Hop, voilà. Ok. Petite fournaise dans le... ici, tranquillement. Là, il n'y a pas grand chose à dire, là, à part que le mec joue un deck chelou. Ok, on a mis un esprit électrique, qui très bien, il préfère faire ça, pourquoi pas. On va aller mettre une MG pour aller tanker. On va aller boule de feu, ça. Ah, ouais, la boule de feu qui pue la merde, parce que je suis nul. Ah, il va être giga relou, son deck de merde, là. Ok, bon. Là, je pense qu'on son deck, faut que j'accumule les troupes. On va gagner notre boule de feu pour faire une meilleure value avec le sorcier. Ah, j'ai cassé les couilles. Mes frères, son sorcier, c'est trop fort. Ok, hop. Super, là c'est la giga sauce là. Ah mais sérieux, je suis obligé de finir au sort là. Ah là, ces mecs, quoi, ils savent pas jouer. Le mec est nul, hein. Vraiment, le mec est nul à chier. Alors là, juste, ah bon, je mets ça. Ouais, ça devrait le faire, là, je pense. Là, il y a moyen de faire quelque chose, là. Avec la boule de feu, peut-être, le GR. Non, mais frère, le GR, c'est bon. On n'a pas les mêmes défenses, frérot.
Ok, petit bûcheron. Ok, petit GR, petit MG. Là, il est dans la sauce, hein. Le mec ne joue pas, d'accord. Je dis pas non. Ok, bon, ah, ok, il joue. C'est-à-dire, on recote, maintenant, du coup, il joue. Ah, même là, je vois même pas quand il... Oh, ok. On voulait la laisser, mais bon. Voilà. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, vraiment, c'est important. Ça me soutient énormément. Et à quand vous abonnez, activez bien la cloche parce que je fais souvent des lives le soir. Donc voilà. Ça y va du gameplay top ladder. Enfin, top monde plutôt, parce que top ladder, j'abuse un peu, mais voilà. Bon, les gars, on se retrouve demain pour la suite du défi, donc le défi triple élixir. Et voilà, c'était Revou. Bon, je vous dis à plus. Ciao.